Salut, bienvenue dans ma première vidéo. Je lance une série de vidéos où je vais faire des compositions rapides, des petits morceaux qui vont bien rendre sans grande prétention, en espérant que ça vous plaise et d'avoir des retours constructifs dessus. Voilà, donc pour que je puisse progresser et que je puisse partager un petit peu ce que je fais. Aujourd'hui, je vais faire une valse. Alors, moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est un début assez planant et une montée en puissance plus ou moins importante après. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose. Ok, ben ça peut être sympa. Ouais, on va commencer là-dessus. Donc c'est un Do majeur 7 et un Sol majeur 7. Ok. C'est assez conquérant comme truc quand même. Souvent j'aime bien les fins comme ça avec un accord qui tranche. Ouais, ça peut être marrant ça. Ok, pour l'instant on va garder ça. Alors, très important de mettre en piano parce que sinon il est vraiment pas très délicat. J'aime bien le début, j'aime pas que ça finisse sur. Je sais pas, c'est vraiment trop bateau. Ouais. Ok, bah c'est bien ça. Ok, j'aime bien. Ouais, ok, c'est pas mal ça. Et là, je reprends le matériau de base, enfin, c'est ce que je fais en général. Ouais, je vais pas faire le truc d'avant, c'est vraiment trop convenu.
passage-là, ça fait un peu Edith Piaf. Bah là, c'est une valse aussi. Bon là c'est style Ian Tiersen. Donc là j'ai augmenté le tempo, alors je ferai peut-être un accéléré tout à l'heure plutôt que de le changer brusquement. Alors là, maintenant que j'ai avancé un petit peu, je vois ce que je pourrais faire. Ok, alors ça je préfère comme ça. Enfin, je crois. Voilà. Bon, donc je change le tempo, donc je veux juste que ça augmente un petit peu. Ah. Bah 120, donc ce qu'il va donner. Ah mais sélectionne, petit con. J'aime pas, c'est trop simple. Ouais, je préfère ça. Non, parce que là, c'est... Voilà. Bon, il manque un interprète humain. Ce truc-là est toujours marrant. C'est assez Chopin, variété française en même temps. Au milieu de nulle part en plus, parce que c'est pas du tout ça le style de base. Ensuite, ça c'est sympa, moi j'aime bien. Ça manque un peu de nuance. Là, ça ralentit pas assez, je trouve. Là, c'est mignon, mais c'est un peu bancal. Faites gaffe à vos oreilles.
Bon, bah, c'est sympa. C'est sans grande prétention, hein, comme je l'ai dit. C'est un peu un patchwork, hein, parce que ça vient de nulle part, mais en même temps, ça donne un petit côté sympa, un peu héroïque. Ça fait très Yann Tiersen, ce développement-là. Et bon, le thème du début est sympa. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je vous laisse le PDF en description, si jamais vous voulez le jouer. Moi, ça me ferait plaisir. Et je vous laisse le rendu audio en description. Voilà, bon, pour ce que ça vaut, hein, parce que c'est vrai que le logiciel ne le joue pas très bien. Je pense que si c'était un humain, ça serait tout de suite beaucoup mieux. Je pourrais peut-être me faire chier à faire des changements de tempo et tout pour que ça marche. Mais au feeling, en fait, on le sent direct. Voilà. Donc, ce sera une invention la prochaine fois. Vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner aussi. Comme ça, moi, je verrai à combien de gens ça plaît et tout. Ça serait génial. Et puis, parlez-en aussi. Hein, partagez si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Et moi aussi, ça pourrait m'aider pour les retours théoriques et tout ça. Donc voilà, bah salut et à bientôt. Du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps.